Les nouvelles en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en présence du chef de la diplomatie, Samer Chokri. Le porte-parole de la présidence a indiqué que le président al-Sisi a salué la visite de M. Faki au Caire pour participer à la cérémonie de retraite des envoyés spéciaux en Afrique pour renforcer la paix et la sécurité dans le continent africain. Il a exprimé l'aspiration de l'Égypte à faire progresser l'action africaine commune dans divers domaines. M. Faki a de son côté souligné l'importance de l'Égypte et son rôle dans le continent. La réunion a aussi abordé l'évolution de diverses questions sur les scènes régionales et continentales, notamment la situation dans le Sahel, la Corne d'Afrique et la situation au Soudan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'entretien avait porté sur l'évolution de l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Les deux parties ont souligné l'importance de prendre en compte les graves conséquences humanitaires des affrontements armés sur la vie des civils, ainsi que l'extension de leurs répercussions sécuritaires et politiques vers l'ensemble de la région. Le président Sisi a également souligné que l'Égypte poursuivait ses démarches pour coordonner les efforts régionaux et internationaux afin d'exhorter les parties à la retenue ainsi que pour fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza afin d'épargner au peuple palestinien de nouvelles souffrances humaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne concernant l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et la détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires dans la bande de Gaza d'une manière dangereuse. Ils ont souligné l'importance de coordonner les efforts internationaux pour exhorter les parties à suivre la voie de la retenue. La campagne électorale officielle du président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que le sommet pour la paix qui se tiendra samedi au Caire témoignera d'une participation élargie internationale et régionale en réponse à l'appel lancé par le président. Selon la campagne électorale, le sommet prévu s'avère une bonne occasion pour les leaders du monde qui doivent se réunir afin de renforcer le dialogue et la coopération dans le but de réaliser la paix et la stabilité dans la région et dans le monde entier. Toujours selon la campagne, cette réponse positive des leaders du monde reflète la confiance quant à l'administration du président al-Sisi du dossier et au rôle de l'Égypte dans l'instauration de la paix et la sécurité internationale. Des leaders du monde et des organisations internationales doivent participer à ce grand événement pour discuter des questions qui intéressent la communauté internationale, surtout la cause palestinienne. Le président américain Joe Biden va se rendre demain en Israël pour une visite de solidarité après l'escalade militaire avec le Hamas, une visite qui vise aussi à débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza. Après Israël, Biden se rendra en Jordanie où un sommet quadripartite réunira, outre Biden, le président Abdel Fattah al-Sisi, le roi Abdullah II de Jordanie et le président palestinien.